Shalom, shalom. C'est toujours un privilège d'être derrière cette chaire, pouvoir parler avec vous de la parole de Dieu. Alors que je préparais mon étude, je m'excuse, le son est vraiment pas fort, donc j'ai besoin d'entendre. Cette semaine dernière, Israël célébrait le Yom HaZikaron, le jour de la commémoration, un temps où tout le pays se souvient des soldats tombés et des civils aussi qui sont victimes et ont été victimes de terrorisme. Et si on regarde, on voit que les gens vont dans les parcs, dans les rues, ils se réjouissent, ils dansent, font des barbecues. Ils viennent tous ensemble, mais la plupart n'ont pas de masque. Alors on se demande, est-ce que c'est des vieilles images ou non? Eh bien, on croit que selon l'autorité israélienne et l'Organisation de la Santé mondiale, croit que Israël a atteint l'immunité de masse. C'est quand la population arrive à un point où la COVID n'a plus d'effet, soit parce que tout le monde est vacciné ou presque, ou à cause de l'immunité qui s'est développée à travers la population. Quand on voit ces choses-là, on voit que Israël est une des premières nations à sortir de la crise de la pandémie. Et dans ce sens-là, elle remplit son rôle d'être l'exemple pour le reste du monde, parce que Dieu veut que Israël soit finalement la lumière pour le reste du monde. Donc c'est encourageant de voir ça. On sait que la parole a dit ceci, que de Sion, la parole de Dieu est venue. Donc nous prions que de plus en plus de gens puissent en venir à réaliser que Dieu est là et est en train de les bénir et de se rappeler que Jésus revient bientôt et de leur dire. Et quelque chose de touchant dans ce qu'ils ont fait cette année à la fête de Yom HaZikaron, la célébration, la commémoration finalement, c'est que les gens des restaurateurs, ont fait quelque chose de très spécial. Ils ont mis une table à dîner, seule, que personne ne devait s'asseoir là. Ils ont mis une chaise vide à la table avec une tasse retournée à l'envers. Ils ont mis comme une serviette blanche sur la table, une nappe blanche sur la table qui représentait les intentions pures des soldats qui sont battus pour Israël. Et avec, ils ont mis là-dessus une rose rouge pour rappeler leur sang versé. Et ils ont mis une tranche de lemon, je le trouve pas, présentement, pour montrer que c'était difficile pour ces victimes, et du sel pour les pleurs de ceux qui sont, qui restent, qui pleurent leur mort. Et aussi, un autre item, il y avait une chandelle allumée pour montrer qu'ils ne oublieront jamais. Ça va peut-être être une nouvelle tradition qu'ils ont créée pour se rappeler ceux qui ont donné leur vie dans leur pays. Mais d'un point de vue biblique, cette illustration ne peut faire qu'autrement nous faire penser à plusieurs avertissements qui ressortent de toutes les Écritures. Il faut se rappeler aujourd'hui que dans notre texte, on va voir à travers les conflits et les guerres, pas seulement pour Israël, mais pour le monde entier. Et aujourd'hui, on va voir une autre bête, le faux prophète dans les Écritures, qui a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais le but de Dieu, c'est d'amener tous les gens au salut. Donc avant, nous allons prier pour nos enfants, comme nous faisons toujours, amenez-les après de vous et priez. Prions ensemble pour nos enfants. Amen.
Alors, ouvrons nos Bibles, chapitre 13 de l'Apocalypse, commençant avec le verset 11. Nous allons voir aujourd'hui la deuxième partie de ce magnifique chapitre prophétique de l'Apocalypse 13, qui décrit deux acteurs principaux, l'Antichrist et le faux prophète dans ces temps de la fin. Ces deux-là vont travailler en unisson et les deux seront sous l'autorité du dragon, donc de Satan. Ici, on a la trinité du mal, le dragon, et les deux bêtes. Ils vont essayer d'amener le monde à travers le mensonge et la tromperie. Je crois que ce plan devait être monté depuis très longtemps et peut-être qu'il est en train de se faire présentement, ce plan-là, parce que le but de tout ça, c'est d'amener l'homme dans un esclavage spirituel et que ensuite ils vont adorer, finalement, sans trop savoir au début, le dragon ou le diable. Et c'est ce que le diable a voulu de tout temps. Et on voit qu'à l'heure qu'arrivent les derniers 3 ans et demi de la tribulation, et on arrive proche de ce début déclenchement avec le traité de paix, on voit que le dragon va devenir un dictateur totalitaire et il va prendre la violence et les forces démoniaques vont être avec lui comme jamais auparavant. Donc, on voit que l'Apocalypse 13 nous introduit à la deuxième bête. Et alors que la première bête venait de la mer, qui indique que c'est un gentil, un non-juif, parce que la mer dans la parole symbolise toujours les nations du monde. La deuxième bête, elle, provient de la terre. Et on peut très bien comprendre que c'est du pays d'Israël, alors que toutes les nations du monde sont concentrent leur attention sur Israël à ce moment-là. Le prophète Zacharie nous en a parlé que toutes les nations, un jour, toutes les nations vont entourer Jérusalem pour l'attaquer. Donc aujourd'hui, on va voir 3 miracles qui sont en rapport avec la deuxième bête. 2 sont en rapport avec le temple, le troisième temple que les gens en Israël veulent avoir depuis plus de 2000 ans qui prient pour ça. Et non seulement ça, mais il y a des juifs séculiers, donc non religieux, plusieurs musulmans et même des chrétiens qui voient ça comme quelque chose de très positif. Donc, ils s'attendent à une chose qu'ils s'attendent que le Messie va faire pour avoir l'approbation de Dieu, de faire descendre le feu du ciel. Le deuxième miracle, en rapport avec le troisième temple, concernant l'abomination de la désolation, que Daniel, Paul et le vrai Messie d'Israël et Jésus ont mentionné. Cette abomination sera un genre d'image ou de statue de l'Antichrist qui va mettre là pour qu'on l'adore. Mais ça ne sera pas seulement une image, mais le faux prophète va comme l'amener à la vie de façon miraculeuse, qui va faire que beaucoup vont l'adorer, vont adorer la première bête. Le troisième miracle, c'est celui qui est mentionné 3 fois dans ce chapitre, c'est comme la mort et la résurrection de l'Antichrist. Ça va sûrement nous fausser, mais bien arranger, et peut-être avec des forces démoniaques derrière ça qu'ils vont être capables de faire. Et on voit qu'il y a eu plusieurs faux messies depuis 2000 ans en Israël, mais souvent c'est probablement caché parce qu'ils ne veulent pas être embarrassés par toutes ces fausses choses qui sont passées, mais il y en a beaucoup, on a eu des pancartes dans la ville, même ici, il y en
qu'il y en a à travers le monde. Mais la pensée juive est connue pour être indépendante et très progressive, sauf quand ça vient du côté des sectes religieuses et de l'autorité religieuse. On dirait qu'ils sont sous une espèce de quand on lance, vous savez, on lance en tout cas, j'ai pas le mot ce matin, je m'excuse, quand on lance un sort, c'est ça, comme si c'était des moutons qui suivaient quelqu'un qui s'en va, vous savez, à la mort. Comme l'avait dit là, au début, le chemin de l'air droit, mais ça mène à la mort. Et c'est là, dans ce chapitre aussi, ce matin, qu'on va voir ces choses-là où la Trinité va aller à son sommet, la Trinité du mal. On va voir le nombre de la bête, 666. Et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que le faux prophète va faire pour mettre tout ça en place. On va voir ce que le roi Kodesh, l'Esprit Saint, nous a inspiré ces mots pour nous dire ce qui va arriver. Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Et ici, on a une autre bête qui a l'air d'un agneau. Donc, qui a de l'air gentil et même religieux, comme un agneau de Pâques, mais il parle comme un dragon. Et c'est la première fois qu'on lit que dans les Écritures, et on parle de deux cornes semblables à celles d'un agneau. Les cornes, c'est un symbole de pouvoir, de puissance. Et leur mention ici nous rappelle que cet agneau ne vient pas pour être sacrifié pour les gens, mais pour les prendre par la force. Et par la violence et par le mensonge. Alors, s'il y a un endroit où est-ce que l'avertissement de Jésus dans le sermon de la montagne trouve sa place ou son intention, c'est vraiment là, ici. Et voici ce que Jésus a dit, Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc, c'est un des derniers avertissements de Jésus au sujet de ce faux prophète. Et Jésus en a parlé pour nous montrer que souvent, en dedans de la personne, c'est là qu'ils sont des loups, même si extérieurement, ils ont l'air très bien. Et on voit que, comme la première bête, on voit qu'ils montent. Donc, ils montent de où? De l'abysse. C'est là l'origine de... C'est là son origine. Verset 12 nous montre sa mission à cette bête. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle ou fatale avait été guérie. Donc on voit deux bêtes qui travaillent ensemble, et ça c'est pas nouveau. Ça nous rappelle que les deux bêtes qui sont mentionnées dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, qui s'opposent toujours à Dieu, et que le Talmud et les Midrash qui ont écrit qu'ils vont être conquis à la fin. On parle du Léviathan, le monstre de la mer, et le Behemoth, le monstre de la terre. Donc le premier c'était le monstre de la mer, le Léviathan, et l'autre de la terre. Et dans leurs écrits, ils disent que les deux sont détruits par Dieu avant l'établissement des temps messianiques. Donc, on voit, c'est ce que je viens de dire, mais j'avais pris l'avance. Alors, ils essaient de dissimuler leur identité, surtout parce qu'ils sont bien connus dans les Écritures. Donc, mais il y a des gens qui vont le voir à ce moment-là. Et on va voir la deuxième bête, son but, et c'est de voir les gens adorer la première bête. Et c'est ce que l'Antichrist, qui lui-même va amener les gens à adorer qui? Bien le diable, le dragon, comme on a vu au verset 4.
Et qu'est-ce qu'il fait? C'est, on voit dans le texte, il dit que cette bête opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Verset 13. La question est pourquoi ce miracle particulier est ressorti à travers les grands prodiges? On le cite de façon particulière. Il y a beaucoup d'emphase sur ce miracle. Parce qu'on dit même jusqu'à, et en grec c'est le mot hina qui veut dire un but, un endroit, quelque chose qu'on veut atteindre. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre du feu qui semble descendre du ciel? Premièrement, il faut regarder dans les Écritures. C'est la 11e fois que nous pouvons voir dans les Écritures que du feu descend du ciel. Les 6 premières fois, c'est du feu qui descend pour un jugement. Comme quand le feu a descendu du ciel sur Nadab et Abihu, et où la révolte de Corée qui ont péché contre le Seigneur. Une autre fois que le feu est descendu du ciel, qui est envoyé de Dieu, qui a consumé tout le sacrifice d'Élie pour montrer la futilité des autres sacrificateurs qui adoraient Baal, qui ne pouvaient même pas allumer leur propre sacrifice. Donc c'était une approbation du sacrifice d'Élie. Et il y a 3 fois aussi que Dieu a envoyé du feu du ciel, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'Apocalypse. Et on voit, c'est le même genre de choses que les Juifs attendent, c'est comme quand Moïse a dédié le premier sacrifice à l'inauguration du tabernacle, Dieu a envoyé le feu du ciel comme signe d'approbation. David, la même chose, quand il a premièrement inauguré la place exactement de l'autel sur le mont Moria. Dieu a envoyé le feu pour montrer son approbation. Le même miracle est arrivé quand Salomon a dédié le premier temple au même endroit sur l'esplanade du mont du temple du dôme qu'on a aujourd'hui. Encore le feu est descendu du ciel comme un signe de bénédiction de la part de Dieu. Et ces 3 événements ont marqué le judaïsme. Et c'est pourquoi que ça parle toujours de ça dans les écrits, pardon, des Talmuds et des Midrashs. Et une Midrash dit, entre autres, que le Messie Ben David va monter à Jérusalem et va ériger un temple et offrir des sacrifices. Et le feu descendra du ciel et consumera les sacrifices et Israël sera en sécurité pour le reste des jours. Donc, on voit ici, c'est vraiment dans leurs écrits, c'est vraiment quelque chose qu'ils attendent depuis longtemps, longtemps. Et on voit dans un autre Midrash qui parle du Cantique des Cantiques 8:13, ils disent « Il manquait 5 choses au deuxième temple que le premier avait, soit le feu venant du ciel, l'huile d'onction, l'arche, l'Esprit Saint et le Urim et le Thummim. » Donc, si la bête réussit à amener quelque chose qui ressemble à du feu du ciel, dans le même contexte de sacrifier pour un temple, pour inaugurer un temple, toute la religion, les juifs religieux, toute la communauté juive religieuse vont être à ses pieds parce qu'ils l'attendent, ils attendent ça, ils prient pour ça depuis des milliers d'années. Donc, c'est de ça qu'ils s'attendent. Est-ce que le miracle de la bête peut être mis en rapport avec l'inauguration du troisième temple? Est-ce que lui pourrait être lui-même le souverain sacrificateur de ce moment-là, de ce nouveau temple-là? Les derniers souverains sacrificateurs, Anna et Caïphe, ils ont condamné Jésus à la mort, donc ils ont retardé, si on veut, le royaume messianique à sa première venue. La deuxième bête va aussi avoir un souverain sacrificateur qui va exactement essayer d'imiter pour empêcher encore là sa deuxième venue. Pour la pensée juive, et spécialement les gens de la tribulation qui vont voir ça, ça va être comme une affirmation que le faux prophète va être le Messie qu'ils attendent. Mais aussi, on peut voir qu'il y a 2 témoins dans Apocalypse 11, on a vu,
qui ont l'air d'être toujours stationnés alentour du temple. Donc, ils vont utiliser sûrement ce texte-là pour révéler sa fausse identité. Et on voit que plusieurs événements présentement se préparent à que le faux prophète entre en scène. On a vu les trois religions majeures, le judaïsme, l'islam et la chrétienté, poussent pour avoir un bâtiment, un troisième temple à côté du temple du Dôme du Rocher là-bas. Et ils disent qu'ils vont amener une maison commune de prière pour l'unité de tout le monde sur la planète. Donc, rappelez-vous, l'image qu'on voit, c'est qu'il ne parle pas juste d'un temple, mais c'est le temple d'Ézéchiel. Si on regarde ce groupe-là, et si on regarde dans l'image, on voit la rivière qui est à côté du temple. Ézéchiel parlait de ça. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'il parle clairement maintenant de la venue d'un prophète qui va dire exactement où construire le temple. Le directeur du groupe a dit ceci. Le point principal est que la doctrine juive au sujet de la reconstruction du temple met l'emphase sur le rôle d'un prophète qui démontrera une grande autorité, incluant la décision de spécifier où exactement le temple devra être érigé, quelles que puissent être les divergences d'opinion en regard aux traditions juives. Donc on parle d'un prophète qui aura une grande autorité extraordinaire. Ça a l'air tellement du faux prophète de l'Apocalypse, chapitre 13. Mais il cherche présentement la dixième et dernière vache rousse avant la venue du Messie. En préparant tout ça, il doit trouver une vache rousse parce que c'est ce qu'il avait, c'est ce qu'il avait dans les Écritures. Et il y a un rabbin médiéval, Maimonides, a parlé de cette prophétie mystérieuse. Il a dit ceci. Et la dixième vache rousse sera sacrifiée par le roi, le Messie. Qu'il se révèle rapidement et que ce soit la volonté de Dieu. Amen. Donc voilà ce qu'il a écrit. Donc on voit, en résumé, tout ça pointe vers la venue du faux prophète et de l'Antichrist. En résumé, il y a trois choses qui connectent ce faux prophète avec le peuple juif dans leur attente. Un désir grandissant de construire un troisième temple. Deuxièmement, l'attente d'un prophète à venir. Et troisièmement, la recherche d'une vache rousse. Donc, c'est ce miracle qui va amener le feu du ciel qui va ouvrir la porte au grand blasphème qui est appelé aussi l'abomination de la désolation. Donc, on est vraiment près de tout ça quand ça va débouler, ça va commencer. Et on voit les versets 14 et 15. Elle séduisait les habitants de la terre, cette bête, par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de l'autre bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc, on voit ici que le faux prophète semble donner de la vie à une statue ou souffle à une statue afin que l'image de la bête puisse parler. Comment va-t-il faire ça? C'est un mystère. Mais ça va être à travers un mensonge, à travers une sorcellerie sûrement, et plusieurs vont tomber dans le panneau. Mais il devrait se rappeler que Dieu les a avertis bien avant. Dieu a dit dans Deutéronome 13, versets 1 à 3, « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, et qu'il te dit, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. »
Hey, quel test ça va être? Ça va être le dernier des tests, mais on voit qu'il dit dans le texte, si un prophète, il est là, dans Apocalypse 13, qui fait sa meilleure performance qu'il a jamais faite. Mais le passage dit que même si le miracle vient arriver, quoi que ça semble à être de ne pas le croire, parce que le prophète va t'amener à adorer un autre Dieu, qui est l'Antichrist dans notre texte, finalement, le diable lui-même. Donc, on voit que ce faux prophète ne sera pas un prophète comme Moïse. Le vrai prophète qui est arrivé, selon ce que Moïse avait annoncé, il avait dit, quand vous verrez ce prophète, vous l'écouterez, c'est Jésus-Christ lui-même. Et on voit, c'est ce que Jésus a parlé dans Matthieu 24. Il a dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention ou comprenne, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Donc, pour ceux qui vont être à Jérusalem dans ce moment-là, Jésus leur dit de se sauver en direction des montagnes. Et c'est là que va commencer les derniers 1260 jours. On voit avec les jugements des trompettes et du deuxième saut et tout ça. Il dit d'aller vers les montagnes. Si vous êtes déjà allé à Jérusalem, il y a quelque chose d'étonnant quand on quitte Jérusalem vers le sud. Juste après avoir quitté la ville, on se retrouve dans les montagnes de Judée. On peut les voir dans l'image qui est là, et un coup on est là, il y a plusieurs sentiers, plusieurs routes où on peut se cacher. Mais les gars, les gens vont aller où à partir de là? Dieu leur a donné une adresse, et non seulement avec un prophète, mais il en a parlé avec Ésaïe, Michée, Habacuc et Moïse aussi. Et tous pointent vers le sud, vers une ville qu'on appelle Petra, ou Bosra. Petra, c'est le nom grec, et Bosra, c'est le nom hébreu, et qui veut dire un endroit où on met un troupeau, un endroit pour mettre le troupeau. Ça vient du mot bazar, qui veut dire de garder ou de fortifier. Donc, on voit ici, le mot est important. Et si on mentionne la prophétie d'Ésaïe, où est-ce qu'on voit le prophète, le Messie arrive pour établir son royaume. Il vient de Petra. Et c'est là qu'on dirait qu'il s'est battu pour les croyants. Ésaïe 63, verset 1 à 3, je pense. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Donc, on voit que ce combat, et ça nous a été déjà montré dans Apocalypse 12, verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Donc, Dieu a préparé une place pour elle, pour la femme, pendant 1260 jours. Et on voit dans l'Apocalypse 12, verset 14, fait un lien avec un texte d'Exode qu'on va lire. Et les deux ailes du grand texte furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc, on voit ici l'image du grand aigle. Ça nous rappelle le texte dans l'Exode. Quand Dieu a choisi Israël comme une nation de sacrificateurs, Dieu leur a dit, Exode 19, verset 4, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Donc, on voit ici exactement la même image. Il va faire ça aussi dans le temps des tribulations et sauver le reste d'Israël pour qu'il, finalement, soit une nation de sacrificateurs pendant 1000 ans.
Et le texte dit un temps, des temps et à moitié d'un temps, ça correspond à 3 ans et demi, exactement à 1260 jours dans notre autre texte. Donc, ces passages-là nous montrent que Dieu ne nous oublie jamais ses enfants, n'oublie jamais non plus son peuple, spécialement quand c'est des temps difficiles. Quelqu'un a dit, la parole de Dieu est aussi pleine de promesses que les cieux sont pleins, que les cieux sont pleins d'étoiles, pardon. Donc, et on voit comment Dieu est gracieux, il nous donne des cadeaux, il nous donne des choses de grâce. Et quand on répond par la foi, et des fois, il donne petit à petit, mais Dieu est toujours bon et Dieu donne toujours. Abraham, quand il était en Mésopotamie, Dieu a dit, « Je te montrerai le pays. » Plus tard, quand il était à Bethel, il a dit à Abraham, « C'est ce pays dont il parlait. » Un peu plus loin, il lui a dit, « Je te donnerai tout le pays et une postérité aussi grande que tous les grains de sable de la mer. » Donc, Abraham a eu à marcher de Mésopotamie jusqu'à Israël et marcher à travers le pays avant qu'il puisse avoir, mais en fait, il ne l'a jamais eu parce qu'il attend encore que ce pays-là soit donné. Donc, le point, c'est que Dieu ne nous donne rien jusqu'à ce que nous soyons prêts à faire un pas pour lui par la foi. Il ne nous donne pas tout d'un coup comme ça. Il veut nous demander et nous montrer comment être béni. Donc, c'est en faisant un pas par la foi. Et là, on va voir plus loin dans notre texte le fameux chiffre 666. Donc, on voit que ça va créer comme un mouvement de panique avec la fausse Trinité qui va avoir. Et s'il dit que tous ceux qui n'adoreraient pas la bête, n'adoreraient pas l'image de la bête, fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Verset 15 à 17. C'est alors que l'Antichrist et le faux prophète en viennent à la violence. Parce que quand tu es obligé d'obliger les gens à avoir une marque, tu uses de violence pour les convaincre. Ça veut dire que tu es en train de perdre la guerre. Et qu'est-ce qui arrive avec les 3 années de paix qui semblaient arriver? Les derniers 3 ans et demi, ça va être tout le contraire. Donc on voit que l'Antichrist n'a pas eu le succès qu'il espérait en gardant l'homme sous sa domination de mensonges et qu'on voit qu'il décrète que tout le monde doit l'adorer, sinon ils vont mourir. C'est un décret qui montre l'échec de son action. La marque sur le front et sur la main représente quelque chose comme un tatou que ça va rappeler dans quand les nazis ont mis des numéros sur les juifs. Un numéro sur leur bras. Et donc, c'est peut-être pour ça que l'Holocauste n'est pas si loin. Il y a des gens qui vont encore se rappeler dans leur mémoire cette idée infâme de mettre des numéros sur des gens. Donc, il y a des gens qui vont se rebeller contre ça. Ils ne voudront pas faire ça. Mais quelle est cette marque? On nous dit que c'est par rapport au verset 18, chapitre 13, ce numéro, ce chiffre nous est donné. Et c'est là qu'on vient au verset, un des versets les plus controversés de la Bible. C'est verset 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc on nous dit 3 choses ici. Le nombre de la bête ou le chiffre de la bête. 2. Le nombre est celui d'un homme. Et ensuite, le nombre est 666. Maintenant, comment pouvons-nous comprendre ça et qu'est-ce que ça représente?
Donc, on voit que c'est clairement dit ici de, qu'on va pouvoir le calculer. Mais c'est pour les gens qui vont être dans ce moment-là. Il y a quelque chose, comme, je vais commencer par dire, il y a quelque chose dans ce chiffre que je crois qui est réservé pour les croyants de la, qui vont être dans la tribulation. Eux autres vont comprendre ça. Après 2000 ans d'interprétation, personne est arrivé à une interprétation totale et finale de ce chiffre. Mais il y a quand même, il y en a juste assez pour nous donner une indication de qui va être la personne, mais pas d'avoir des idées préconçues et d'avoir une idée, et à ce moment-là, on peut regarder qu'est-ce que ce nombre peut nous apprendre aujourd'hui. Vraiment, on va regarder ce que ce chiffre n'est pas. Ce chiffre n'est pas là pour qu'on puisse trouver le nom de l'Antichrist. Mais ceux qui vont être présents dans le moment de la tribulation vont savoir exactement son nom, directement. Daniel nous dit que ce sera celui qui va signer le traité de 7 ans, un faux traité de paix. En plus, les 144 000 et les deux témoins vont s'assurer que le monde entier va savoir qui il est. Le chiffre 666 n'est pas donné pour qu'on trouve le nom de l'Antichrist présentement. Et même pour ceux qui croient un peu avant le temps de la tribulation, pourquoi on aurait besoin de savoir son nom? Mais ça a toujours fasciné le monde et 2000 ans, depuis 2000 ans, les gens ont essayé de trouver le nom en utilisant la gématria. La gématrie, c'est un ancien système de numérologie hébraïque qui date du 2e siècle. Alors, chaque lettre, la lettre A, c'est pour 1, B, 2, etc. Et ensuite, on fait un message pour trouver des messages cachés dans la Bible, alors que Dieu a dit qu'il ne faisait pas des choses cachées, mais il les annonçait à travers ses prophètes. Donc, à travers le temps, on a utilisé le grec, l'hébreu et même le latin. Mais aujourd'hui, le français, l'anglais, toutes les langues pour essayer de trouver un chiffre 666 à partir de la plupart des empereurs romains. Presque tous les papes y ont passé. Et la plupart des théologiens protestants au début disaient que c'était le pape. Ils enseignaient que le pape était l'Antichrist. Mais les catholiques ont répondu en disant que le nom de Luther arrivait à 666. Bien sûr, ils ont changé un peu les lettres, mais ils sont arrivés à ça comme un peu comme contre-attaqué. On fait la même chose aujourd'hui. Il disait que c'était Donald Trump, parce que Donald Trump, il disait que c'était la première bête, et son beau-fils, qui vu qu'il était juif, était le faux prophète. Jared Kushner a eu un jour la malchance d'acheter un building que son adresse était 666 sur la 5e avenue. Donc plusieurs ont dit, voilà, c'est le faux prophète. Et il y en a qui pensent encore que c'est eux autres qui vont revenir au pouvoir et qui vont, ils sont le l'Antichrist et le faux prophète. Donc je l'ai fait pour le nom de certains anciens. Je peux vous rassurer, personne n'a le chiffre 666 parmi eux. Mais ces chiffres-là ont quand même un sens qui nous parle dans la parole. Dans l'Écriture, 6 est le nombre de l'homme et 3 est le nombre de Dieu, comme par exemple dans la Trinité. 6 est le nombre de jours que nous avons à travailler avant le 7e, le jour de repos. 6 est le chiffre de l'homme qui voulait être comme Dieu, qui lui, son chiffre est 3. Alors, on a 3 fois le nombre 6, parce qu'on n'a pas le chiffre de la plénitude parfaite de Dieu, 7. À travers l'histoire, mais l'homme a toujours voulu être comme Dieu. L'homme a remplacé Dieu par toutes sortes d'idoles, et maintenant c'est la théorie de l'évolution, la plus grande idole, qui enlève Dieu de l'histoire et qui le remplace par un homme qui vient qu'à être un peu le top de toute la création. L'évolution croit que l'homme est en croissance constante et qui est toujours en train de progresser, alors que nous voyons bien la morale autour de nous n'est vraiment pas en train de progresser. Le nombre 666, on nous a dit que c'est la bête
et en même temps, c'est un homme. Donc, c'est dans ça qu'ils se retrouvent dans leur rébellion contre Dieu. Et cette explication du chiffre 666, c'est pas une nouvelle théorie, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Ça représente l'union de tout ce qui est mal contre Dieu. Ça fait 2000 ans et plus que c'est là. Ben, au moins 2000 ans depuis que c'est écrit la parole de Dieu. Et il y en a, ça a commencé même avec des gens qui ont connu l'apôtre Jean et qui suivaient ses traces. Jean avait un étudiant qui s'appelait Polycarpe. Et cet homme a écrit quelques petites choses concernant ce chiffre. Mais Polycarpe avait, lui aussi, il avait enseigné à quelqu'un qui s'appelle Irénée, un des premiers évêques, un des premiers anciens, qui lui en a parlé beaucoup de ce chiffre. Et, c'est lui qui est reconnu d'avoir écrit le premier livre, dans le fond, de théologie systématique, pardon, qui explique toute la parole de Dieu dans les détails à partir de la chute jusqu'à l'Apocalypse. Donc, on le disait, le meilleur représentant de l'école, si on veut, de ce que Jean avait enseigné. Et ses enseignements sont vraiment solides, bibliquement, et souvent, il y avait à défendre sa foi contre les hérétiques. Et c'est dans un livre qui s'appelle « Contre l'hérésie », où est-ce qu'il parle du chiffre 666. Parce qu'en plus, les gens, pour en arriver à la conclusion que c'était le pape, finalement, ils ont changé le chiffre de 666 avec 616. Pas le pape, pardon, mais pour arriver à que c'était le nom de l'empereur Caligula. Donc, ils ont changé les chiffres. Alors ça l'a choqué et il a pris position pour expliquer certaines choses par rapport au chiffre 666. Et voici ce qu'il a écrit. Son nom a pour chiffre 666, car il est la somme de toutes les iniquités, de toutes les tromperies possibles. Et l'Antichrist également est la somme de toute la fausseté, des fausses idoles depuis le déluge, ainsi que le meurtre de tous les prophètes et de tous les justes. Donc, pour cet homme-là, alors que le chiffre 666 a une certaine signification, mais il dit, ça représente quoi? Ça représente le sommet du mal. Et c'est pourquoi il a pris la plume, si on veut, pour écrire sur ces choses-là. Mais il y a d'autres endroits qu'on peut trouver dans la parole de Dieu qui a des chiffres qui ressemblent à 666. Je vais terminer avec ça. On dit dans 1 Rois 10, 14. Le poids de tout l'or amené à Salomon dans une seule année était de 666 talents d'or. On dirait au début que ça n'a pas un rapport directement, mais quand on le met dans le contexte de l'histoire d'un roi, ça parle énormément au sujet du péché et d'une histoire où on enlève Dieu de notre vie. C'est les derniers mots d'une magnifique histoire du roi Salomon, qui était l'homme le plus sage et le plus riche de l'histoire, juste avant de tomber. Parce qu'avec le temps, le mal est rentré dans son royaume. Donc, on voit le résultat et ça ressemble à Satan dans un sens qui, à cause de l'orgueil, a tombé. Mais on voit Salomon, qu'on parle au chapitre 10, verset 24, que toute la terre cherchait la présence de Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Mais, donc, c'est ça ici. Le chapitre 11 nous montre le début de la fin de la chute de Salomon. Le chapitre 11 dit, « Le roi Salomon aima plusieurs femmes étrangères, en plus de la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des femmes Hittites. » Donc on voit, c'est à partir de ce moment-là que le royaume d'Israël a commencé à s'effondrer, parce que ces femmes-là arrivaient avec leurs dieux, leurs fausses croyances, et ont affecté tout Israël.
Et combien que de nations dans, qui sont là-dedans? 6. Donc, il va en avoir d'autres aussi, mais il y avait 700 femmes et 300 concubines. Donc, si un tel homme sage, et que Dieu avait donné la sagesse et la richesse, il y avait tout, imaginez-vous, si un tel homme qui bénit est tombé si bas, combien plus l'Antichrist va tomber aussi bas, sinon plus bas. Donc, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est de vraiment, on a voir, à regarder à notre Dieu. Il y a tellement de choses que Dieu nous donne de regarder. Donc, c'est ça, on parlait tantôt qu'il y avait 660 talents, mais c'est comme s'il en manquait 6. Mais ces talents de Dieu qui ont été donnés, c'était pour bénir, et on voit que malheureusement, c'est tourné vers le mal. Donc on voit que l'orgueil, c'est là que ça amène. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? C'est que l'apparence de cette deuxième bête a de l'air à être reliée à la reconstruction du troisième temple. Quelque chose qu'Israël est prêt, parce que tous les éléments sont là. Ça pourrait très bien commencer, même peut-être avant la tribulation, même avant le traité de paix, qui va déclencher vraiment la tribulation. Donc, il y a plusieurs signes. Il y a un très grand désir pour ce building, ce troisième temple à être érigé. Il y a plusieurs cœurs qui sont contents, qui embarquent là-dedans, pas seulement des Juifs, mais il y a des musulmans et des chrétiens aussi. On voit la montée de l'écuménisme, où est-ce que les trois religions monothéistes qui croient à un seul Dieu, l'islam, le judaïsme et la chrétienté de nom, quand on regarde toutes les armes nucléaires, la course des armes nucléaires et tout ce qui se prépare, on voit qu'on ne peut pas s'empêcher de voir la réalité qu'un antichrist arrive bientôt. On va finir avec ce que Irénée a dit à ce sujet. Il est donc d'autant plus certain et moins hasardeux d'attendre l'accomplissement de cette prophétie que de se lancer dans des approximations et de sortir des noms qui concordent, surtout que plusieurs noms peuvent arriver à ce même chiffre. Donc, il nous dit dans le fond de ne pas essayer de trouver c'est quoi. Prions. Now, Heavenly Father, when we consider the heart of man, our heart, we are so grateful for the faith that you have given us. We thank you that you have made the first step towards us to offer us salvation. You are Yeshua who became our Yeshua. Blessed are you, for you are so patient. And through your word, you graciously opened our eyes and our hearts for your goodness. Today we ask that you renew our minds and that we may live every day as the first day of our salvation until you come and take us up to our eternal abode. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen.